Donc oui, c'était important pour moi, c'était en 2000. Et pourquoi c'était important? Parce qu'à l'époque, tout le monde avait un avis sur ce qu'il fallait faire en matière de sécurité routière. Certains voulaient un objectif chiffré, d'autres pas, d'autres considéraient que c'était la question de la vitesse, la question des infrastructures. Bref, il était important de mettre tout le monde autour de la table et d'aborder l'ensemble des sujets qui peuvent contribuer à mettre en œuvre un objectif chiffré de réduction du nombre de victimes. Et ça, ça a été franchement une opération, je pense, extrêmement précieuse. Et elle a été aussi possible grâce à la contribution de Francis Herbert, qui était à l'époque le président de l'association des parents d'enfants victimes de la route. Et c'est vrai que sous son autorité, et quand on connaît la souffrance de tous ces parents, il est impossible à ce moment-là d'avoir des réactions épidermiques sur ce qu'on n'a pas envie de faire parce qu'on n'a pas envie de déranger les automobilistes. Mais on est allé, grâce à lui aussi, au cœur de toutes les questions. Et c'est vrai que je crois que c'était un moment important pour tracer un chemin visant à réduire absolument le nombre de victimes. Le fait que ça existe toujours est une très bonne chose, évidemment, parce qu'on n'est jamais au bout de ces questions. Et le jour où on aura zéro mort, peut-être qu'on devra arrêter, mais on n'en est pas encore là. Donc oui, c'est très bien que ça continue. Et je dois dire que même si je ne suis plus de près cette matière, je dois constater moi-même que un peu partout en Belgique, le comportement des automobilistes s'est modifié. On roule moins vite dans l'ensemble. Je pense qu'on sanctionne peut-être plus aussi. Les infrastructures sont plus soignées. Donc je crois vraiment que ça a porté effet. D'ailleurs, la réduction du nombre de victimes le montre. Mais ce n'est pas fini, je veux dire, les 500 ou 600 personnes qui chaque année perdent leur vie, ça c'est ça qui doit être fait maintenant pour les 20 prochaines années. Alors je pense qu'il y a des choses qui vont dans le bon sens, il y a aussi des choses qui ont changé, il y a de nouvelles mobilités, on voit bien que la voiture ou l'usage de la voiture se transforme et je l'espère continuera à se transformer pour être un usage un peu moins fréquent ou un peu moins systématique. On a aujourd'hui beaucoup plus de cyclistes, on a aussi toutes sortes de nouvelles mobilités, les trottinettes et tous ces nouveaux moyens, surtout dans les zones urbaines. Je pense que ça demande aussi une attention particulière en termes d'infrastructures, en termes de peut-être de cadre légal aussi pour tous ces nouveaux moyens de se déplacer. Mais cette nouvelle mobilité, elle devrait s'accompagner d'une réduction du nombre de victimes à tout prix. On ne peut pas continuer de vivre avec autant de personnes qui perdent leur vie ou qui voient leur vie brisée pour des raisons qui ne sont pas bonnes.